Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un coussin massant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est tout très simple, hein, ça arrive dans ce carton. Et il est là. Donc voilà, finition en signe de cuir, hein. Donc rien à dire de ce côté-là, c'est très bien fini. Il n'y a pas d'odeur désagréable, hein. On peut tout de suite s'en servir. Donc concrètement, on a un câble d'alimentation, hein. Donc là je l'ai branché derrière, donc ça se branche sur le secteur tout simplement, et on vient raccorder comme cela. On a un mode d'emploi qui malheureusement n'est qu'en anglais, allemand et italien. Ceci dit, il ne dit pas grand-chose, hein, que ça soulage les maux de dos tout simplement, et qu'il y a un bouton on/off qui est sur le côté, et c'est tout. Du coup, première position, elle est là. Donc, ça fait un mouvement très artificiel, hein, mais pour autant, on a l'impression quand même un peu d'une main humaine. Alors, ça va dépendre des personnes. Des personnes, ça va clairement déstabiliser, d'autres qui vont bien aimer. Et si on appuie à nouveau dessus, on passe en mode chauffage. Alors le mode chauffage est clairement décevant puisqu'on sent la chaleur vraiment au bout de longues minutes. Et là par exemple c'est pas du tout chaud et ça met très très longtemps à chauffer et en plus ça chauffe très lentement, très peu. Donc du coup si vous avez comme moi par exemple un pull, on le sent pas, hein, clairement, même au bout de plusieurs minutes on le sent pas, il faut vraiment être torse nu et qui tourne longtemps avant de sentir les effets de la chaleur. Le programme, il dure 15 minutes, et au bout de 15 minutes, ça se coupe tout seul. Donc après, le fabricant dit qu'on peut aussi s'en servir pour autre chose, par exemple si on veut masser un coin précis. Hein. Alors c'est pas super pratique, ça l'est plus pour les pieds. Par exemple là, j'ai un problème au tendon. Et effectivement, si je fais ça, il faut après chercher son point de douleur. Mais là, voilà, là, je sens que ça masse le talon où j'ai mal. Donc, on peut aussi s'en servir pour d'autres zones, même si ce n'est pas super recommandé. Et puis, évidemment, sinon, il suffit de mettre dans son canapé et voilà, de se positionner comme ça, tout simplement, et de laisser faire. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes que ça va déstabiliser, qui ne vont pas du tout aimer, hein, on va être très franc. Il y en a qui ont l'impression d'avoir un fantôme ou enfin quelque chose ça va faire un peu bizarre, quoi. Donc j'ai fait tester à plusieurs personnes, certaines aiment bien, d'autres sont carrément réfractaires. Donc voilà, c'est un bon produit de massage, qui fait un massage de base, puisque évidemment c'est tout le temps le même, hein. Mais clairement, on aime ou on n'aime pas. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur ce coussin de massage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et en attendant, je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!